Maintenant dans le monde, il y a de nombreuses IA, donc je vais vous présenter une IA qui peut traduire les vidéos. Donc avant de la présenter, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Allez, c'est parti! Tout d'abord, dans votre navigateur, vous allez rechercher app.rask.ai. Et une fois que vous êtes dessus, suivez les étapes que je vais vous montrer. Appuyez sur « Upload vidéo » et mettez la vidéo que vous voulez traduire. Dès que vous avez mis la vidéo, dans « Original language », mettez la langue de votre vidéo, puis dans « Translate to », mettez la langue où vous voulez que votre vidéo soit traduite. Une fois que vous êtes ici, attendez 1 à 5 minutes et votre vidéo sera traduite. Dès que c'est traduit, la page ressemblera à ça. Pour télécharger la vidéo que vous avez traduite, appuyez « Download » et sur « Translated Video » et voilà, votre vidéo est traduite. Maintenant, je vais vous montrer ma dernière vidéo, une IA qui joue à Minecraft, en anglais. Well, now there are lots of AIs in the world, so Snoxy had an idea. Create an AI that plays Minecraft. First, we need to program the AI. We need some code and an API key. First of all, what's an API key? An API key is a unique identifier that authenticates requests associated with your project for use and billing purposes. To program the code, we use Python, which is an easy programming language. We'll be using imports in our code, which will help us. But what are imports? An import is an element that can be juxtaposed and combined with others of the same type or contributing to the same function. Once all our code is done, we launch Minecraft on a server to have a fight with another person, and here's the result. Thank you for watching this video. Don't forget to